ce soir chez vous, Mr. Jean-Bernard Hébert. Señorita Isabel Alonso. Philippe Vandal. Une fois, il y a aussi Philippe Gueluc. Señorita Cristina Bravo. Et là, j'en ai Alza Fayer. Oui. J'ai essayé, j'ai tenté de prendre quelques accents internationaux parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique, aujourd'hui 21 juin, et c'est une fête désormais internationale, la fête de la musique, puisque le bureau de Jack Lang m'a envoyé un message. C'est que Jack Lang envoie des messages à tout le monde. Il paraît même qu'il envoie des fax à l'Élysée, paraît-il. J'ai vu ça dans le Canard enchaîné cette semaine. Et Jack Lang m'a donc fait savoir qu'il était aujourd'hui à New York, car la fête de la musique, je crois même que c'est la première fête de la musique à New York, aujourd'hui, en même temps, le 21 juin, qu'à Paris et partout en France. Et on oublie parfois que la fête de la musique, au départ, c'était un peu plus amateur que ça, un peu plus sympathique, parce que l'idée, c'était sortez de chez vous, allez en bas de votre immeuble ou de votre maison et jouez vous-même de votre instrument, alors que maintenant, c'est un peu, voilà, un peu trop professionnel, en fait. Donc, continuez à célébrer la fête de la musique comme elle l'était au départ, en jouant vous-même de la musique en bas de votre immeuble. Voilà. Juste, évitez le boulevard... Je vais vous donner mon adresse. Évitez le boulevard... J'ai évidemment demandé à vous tous d'apporter votre propre instrument et de nous montrer ce que vous allez faire ce soir quand vous aussi vous allez sortir votre instrument. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous montrer quand on va sortir nos instruments. Moi, je peux vous le montrer. Alors, on commence par vous, cher Philippe. C'est pas tellement mon instrument, mais on avait préparé une petite c'est chanson avec... C'est vrai, un petit duo Chuck. Hein? C'est vrai? Ah oui. Est-ce que vous jouez de quel instrument? Non, moi je vais chanter pour accompagner mon ami Philippe, très bien. Alors, qui cherche un producteur. Alors... on dirait... La rentrée va être dure, alors... T'es prête? Attention, attention, je me mets à côté de toi. Oh, bah, on se met côte à côte. Alors, on va se mettre côte à côte. Bien, on va faire un duo. Peter et Sloan n'ont qu'à aller dormir. Ils ont qu'à bien se tenir. Ah non, mais moi, je l'ai déjà vu jouer du corps. C'est formidable. Je vais partir de ma poupée. Vous êtes prêts? 3, 4. C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Attends. Personne ne l'a appris. Très bien, parfait, je dis parfait. Je voudrais maintenant que d'un commun accord, nous nous tournions tous vers celui qui, chaque semaine, critique les musiciens, les chanteurs. Chaque semaine dit ça, c'est de la merde. Lui, il sait pas chanter. Elle, elle sait pas jouer de la guitare. Est-ce que c'était bien la peine qu'elle fasse musique? Bref, vous aurez reconnu forcément celui qui doit jouer d'un instrument comme un dieu, celui qui doit chanter formidablement, Jean-Bernard Hébé. Eh bien, justement... Je ne sais jouer de rien. Et c'est ce qui me donne toute la légitimité pour pouvoir critiquer les autres. Je chante faux comme une casserole, mais j'ai des oreilles assez justes et un petit peu de courage. Alors j'avais pris quelques instruments, je m'étais dit que ça c'était finalement les congas. C'était ce qu'il y avait de plus facile.
c'est vrai. Et je me suis aperçu... Il paraît que les congas, c'est formidable pour les gars un peu cons. Voilà. Ça m'allait parfaitement. Je m'étais dit que pour être star du rock'n'roll, il fallait avoir un accoutrement ridicule. Donc je me suis dit, le costume et ça, ça va peut-être être absolument... N'est-ce pas? Ça le fait. Et à un moment, j'ai voulu vous faire une... Et puis je me suis dit que ce serait pas bien. Je voulais en fait qu'on envoie un solo de batterie qu'on aurait préenregistré. Et moi, j'aurais fait comme ça. Tapette, là. Et finalement, je n'en suis pas capable. Donc je vais sonner... C'est un mélange entre Michèvre et Michou, hein. Ouais, enfin, le costume n'est pas bleu non plus. Il cherche encore des numéros à Bobino, tu devrais y aller. Voilà, bon. Voilà, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Quelque chose. Je vais vous donner... Je me tourne vers Christine Bravo. Alors, qui a la musique dans le son. Alors d'abord, non. La musique, ça sert aussi à envoyer des messages. Alors, je sais que mon amie Vandel cherche un producteur pour l'année prochaine. Elsa, une émission. Moi, j'aimerais autant rester ici. Donc, je vais vous interpréter « Avoir un bon copain ». Les paroles. Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Avoir un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Là, je suis con d'avoir dit ça. Bonne idée, vas-y. Et on y va. Si j'y suis pas l'année prochaine... Au cas où, c'est moyen, mais au pipeau, très bon. Isabelle Alonso. Mais moi, je ne sais jouer de rien. Ceci est une escroquerie, c'est des fausses castagnettes, comme qui dirait de la castagnette synthétique, mais bon. Yo tengo negro negrito mi corazón. Riau, riau. Elsa. Alors, une grosse démonstration. Ah mais je suis une arnaque finie, c'est honteux. Attention. Non, moi, quand j'étais à l'école, le seul instrument que... Voilà. Oh, la flûte. Mais j'ai totalement oublié, alors. Oh, c'est même pas de quel côté ton on dos, souffle. C'est ton dos. Tu mets ta bouche d'un côté. Allez-y, Laurent, essayez. Très fort, ça fait quelque chose. Ah, c'est très joli, Laurent. C'est joli, hein. C'est très joli, Laurent. Ah oui. La lettre à Élise. T'as essayé? Mais t'es prête à tout, toi? Tu reconnais la lettre à Élise? À moi, je suis prête à tout. À tout. Près de 30 ans après leur premier succès, les fameuses Jeanne, les trois Jeanne, sont de retour au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris dans un nouveau spectacle qui s'intitule « Les Jeanne, peut-être, mais pas les vieilles tout de même ». Les années ont passé, Jeanne et Jeanne ont donc pris un peu d'âge, mais à 60 ans, sont-elles vieilles pour autant? C'est toute la question. Selon elles, la réponse est claire. Non, évidemment. La preuve, elles ont la pêche sur scène. Et pour parler de cette pièce signée Dominique Cosette et Eliane Boëry, mise en scène partie, accueillons tout de suite les trois Jeanne, Eliane Boëry, Marthe-Hélène Rollin et Ariane Dubillard. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Les trois Jeanne, un nouveau spectacle
au théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est à 21h30 du mardi au samedi, le dimanche à 16h. J'ai dit il y a plus de 30 ans. Alors, Yann Boëry est la seule, évidemment, qui était là au début déjà. C'est gentil de préciser pour mes collègues. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus jeunes que moi. Un petit peu. On est un petit peu. Faut le dire. Et vous parlez donc des femmes de 60 ans? C'est-à-dire, on parle des femmes qui vieillissent, quoi, et qui, pour qui c'est assez difficile. Et donc, on essaye de leur donner la pêche et la bonne humeur en leur disant qu'on a le droit. Christine, vous allez donc y aller. Je t'emmerde. C'est clair. Et moi, j'ai été la génération des jeunes, parce que je les ai vus au début des années 80. Vous avez joué longtemps. Et je vais vous dire, c'est une de mes sources d'inspiration pour Froufrou. C'est-à-dire que j'adorais Cosmopolitan, j'adorais les Jeanne, et je me disais, merde, ce que font ces nanas dans la presse écrite et vous, ce que vous faisiez au théâtre, il faut le faire en télé. Voilà. Je ne vous l'ai jamais dit, mais vous avez été une source d'inspiration pour cette émission de Nana, déjantée, qui critiquait les mecs. C'était... j'ai puisé, même si vous avez... Ah bah bravo, c'est à cause de vous qu'elle était à la télé. Un petit peu à cause d'elle que je suis à la télé. Et alors, d'autres choses, j'ai lu que vous traitez de la ménopause aux obsèques, donc ça m'intéresse, puisque là, maintenant, autant c'était dans ma tranche d'âge, dans les années 80, autant ça l'est maintenant, aussi celle-là. Tu es plus près des obsèques que de la ménopause, excuse-moi. Et... Il est con celui-là. Mais je le prends bien. Je dis rien, mais... Et chez les hommes, c'est en même temps. C'est quand on a l'andropause qu'on a les obsèques. Tu demandes pourquoi il est le patron. Ça se joue en tout cas là depuis le 7 juin. Vous allez jouer pendant tout l'été? Oui. Pendant tout l'été au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Je suis sûre qu'Isabelle Alonso va aller vous voir parce que forcément elle connaissait les Jeanne. Oui. Bien sûr. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu dans le dossier, les choses ne changent pas si vite que ça dans les rapports ménagers entre les hommes et les femmes. Hélas. Donc là je vous suis à 100%. Là où je vous suis un petit peu moins, c'est dans le côté youpi, qu'est-ce que c'est trop marrant de vieillir. Est-ce qu'on a le choix en ce moment? C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. C'est pas marrant. Mais en même C'est juste qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Que le choix, c'est vieille ou morte. Alors, quitte à choisir, on prend vieille. Mais pareil pour les mecs, d'ailleurs, c'est vieux ou mort, alors on prend vieux. Mais il y a une espèce de discours en ce moment, il y a des bouquins aussi qui disent « Ouais, c'est encore plus rigolo quand on est vieux. Oh, » bah oui. Personnellement, je trouve pas. Mais bon, je trouve que si on avait vraiment le choix, on prendrait 30 ans. Parce que tu te rappelles pas de quelle gueule t'avais il y a 20 ans. Mais je me rappelle très très bien. Il y en a deux, trois qui s'en rappellent aussi. Et bah t'étais moins bien que maintenant. T'es gentille, tu sais. Non mais c'est vrai. On peut dire qu'on se bonifie en vieillissant, c'est vrai. Et on se sent de mieux en mieux dans sa peau en plus. Il faut dire que vous voyez moins bien qu'il y a 20 ans aussi. Nous avons envoyé Elsa Fayer au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Elle n'est pas vraiment de la génération des Jeanne. Ah non, plutôt génération télé, 32 ans. Donc voilà, les problèmes de quinca, de femmes de 60 ans. C'est vrai que ça, quand on a 30 ans, ça fout un peu le moral dans les baskets. Je vais commencer par dire ça. Mais sinon, moi, j'ai aimé l'humour, l'énergie que vous avez sur scène. On sent que vous avez très, très envie d'être ensemble. Tout y passe. Alors, la désaffection de la gente masculine, finalement, on nous regarde un petit peu moins. On s'en était pas rendu compte. Et puis, on s'en rend un peu plus compte au fur et à mesure que les années avancent. Les mecs qui ne voient pas du tout qui vieillissent et qui pensent qu'ils ont toujours ce sexapile là qui est là et qui restera à vie, alors que les femmes, nous, on comprend que bon, c'est pas pareil qu'à 30 ans. Le chien de compagnie qui est finalement notre plus fidèle allié, mais il y a bien. Ah oui, le chien. Le petit chien, celui qui reste là et qui nous aide toujours finalement. Et alors, putain. La partie qui m'a le plus plu dans le spectacle, c'est vraiment, et Christine en parlait, c'est le moment où vous parlez du mec qui est à la retraite, cet homme qu'on n'a pas vu pendant des années, qui était aux affaires, qui n'était jamais là, qui avait des maîtresses, qu'on appelait 20 fois par jour, et là, le mec, il est là. Alors, il est devant toute la journée, il n'a rien à faire, il traîne sa savate comme ça toute la journée, et puis toutes les 5 minutes, il dit... Ça va, tu vas bien. Où tu vas? Alors qu'est-ce que tu fais? À quelle heure tu reviens? Voilà. À quelle heure tu viens? À quelle heure tu rentres? Qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'il essaye de s'occuper. Et la femme dit: mais je n'en peux plus. Mais je regrette la période où il n'était jamais là. Même une maîtresse n'en veut pas. Et là, c'est la loose totale. Donc c'est vrai qu'on en sort. Voilà. Quand on a 30 ans, honnêtement, il faut aller voir parce que c'est riche, c'est rigolo, c'est bien écrit. Ah, on n'a pas très envie d'y être quand même, mais on apprécie en tout cas de vieillir avec la bonne humeur et le sourire comme vous le faites. Voilà.
Philippe Geluck, vous connaissiez forcément les trois Jeannes. Bien sûr. Même outre Kiévrin. Bien sûr. J'imagine que vous abordez les problèmes de la chirurgie esthétique. Pas du tout. Non. C'est une sorte de gimmick. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, dans une émission que je ne nommerai pas, c'est des gens dont je ne parlerai pas non plus, il y avait une actrice. Arrête d'en parler alors. Non, mais que je n'aimerais pas, qui est une actrice qui témoignait, qui doit avoir entre 50 et 60, et qui témoignait et qui, visiblement, s'était fait pas mal retoucher, et à un point qu'elle avait la lèvre supérieure qui ne bougeait plus. Et on l'a questionnée sur le vieillissement, et c'est quoi le vieillissement, et elle répondait, elle dit, moi je trouve que le vieillissement, c'est un enrichissement, parce que les années qui passent laissent sur le visage des plis qui sont tellement expressifs, et que c'est beau un vieillard qui vieillit. Peut-être un jour, j'aurai recours moi-même à la chirurgie esthétique. C'était magnifique. Jean-Bernard. En fait, vous avez découvert il y a très longtemps que le mâle était un mâle nécessaire, et vous avez même fait votre carrière là-dessus, si je peux me permettre. Et donc, la question que je voulais vous poser, qui n'est peut-être pas très gentille, mais est-ce que vous croyez que vous êtes toujours tombé sur les bons mecs? Ah. Nous avons, avant de nous lancer dans ce genre de critique, on a quand même fait le tour de... Ah oui, maintenant, vous parlez en termes statistiques. Presque en sociologue, voilà, exactement. Voilà. Car avant de reprendre le spectacle précédent, où on avait repris des extraits de nos deux spectacles, dans les années 2000, donc pour savoir si les choses avaient changé, on avait eu affaire à des amis sociologues qui nous avaient dit qu'en 20 ans, 17% dans les années 80 des hommes s'occupaient des tâches ménagères, de ce qui se passait à la maison, et en 2000... il y en avait 20%. Et on s'était dit que 3% d'augmentation en 20 ans, ça valait le coup de remettre un petit... Courez voir les trois Jeannes au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. Vous êtes trois, ça tombe bien. Vous allez pouvoir partir chacune avec un. Se dit, tiens, on va faire ça aujourd'hui. Sauf que, évidemment, c'est d'abord Eliane qui choisira le sien. Et puis, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà. Ça veut dire, Laurent, qu'il n'y en a aucun que vous aimez vous-même. Parce que... C'est vrai, c'est rare, en plus. Si. Je vous le dirai après, il y a quelqu'un que j'aime bien, il y a un disque sur les trois que j'aime plutôt bien. On va voir ce que nous en dit Jean-Bernard Hébé, ce sont les CD de la semaine. On commence par... Qu'est-ce que c'est que ça? Justice? En fait, ce sont les enfants de Daft Punk et de Darth Vader. Ah, mais oui. C'est-à-dire que si on aime la danse, le disco, l'électro, ça va vous plaire à fond. Si en revanche vous aimez les chansons, les mélodies, les chanteurs, vous allez détester. Alors vous ? Moi je m'en fous. Choisissez votre camp. Ça peut plaire ou ça peut déplaire. C'est moi j'écoute pas ça, mais c'est bien fait. Il faut extrait bien reconnaître. De Dance, un des titres du nouvel album, donc de Justice ou Justice. Elsa était en train de danser alors. Pour moi, c'est la révélation. Les Daft Punk n'ont pas fait mieux. C'est les petits frères des Daft Punk, ou même les cousins des Daft Punk, parce que je crois qu'ils ont sensiblement le même âge. Et je trouve ça terrible parce que la French Touch va continuer à sévir et c'est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt bien. Gueluc, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure comme avis sur le truc. Vous avez ça, mais. Très bien pour la musique. Ah oui, voilà, alors parce que je reconnaissais pas le morceau, mais je me demandais si c'était le truc que j'aimais ou que j'ai détesté. C'est celui que j'aime. D'accord. Christine. Alors moi, ma fille m'a dit arrête de dire des conneries sur les trucs de Jones parce que je passe pour une conne à l'école, parce que j'ai une mère vieille. Donc, j'adore. Angélique Kidjo. Or, là, de temps en temps, le critique que je suis a des choses formidables qui lui arrivent. Une petite merveille, Angélique Kidjo. L'album s'appelle Jin Jin. C'est pas son premier album. Hein. Moi, non, c'est le quatrième, je crois. C'est absolument formidable. Elle vient du Bénin, elle a vécu à Paris, elle est maintenant aux États-Unis. Elle a eu 4 Grammys aux États-Unis, ce qui est comme les Oscars, si vous voulez. Là, il n'y a rien que du beau monde avec elle. Il y a Joss Stone, Peter Gabriel, un chorus de guitare de Carlos Santana qui est... On a l'impression qu'il est redevenu comme à l'époque de Woodstock. C'est absolument superbe. Il faut qu'elle oublie un petit peu les trucs uniquement bénins, mais l'album est magnifique. Donc c'est pas grave, c'est bénin. Angélique Kidjo. Voilà. Plus
avez oublié de dire, Jean-Bernard, qu'elle a une superbe voix. Hein. Ah non, mais magnifique. Elle a une voix limpide et c'est magnifique, Vandel. Oui, à quoi on voit qu'elle a une super voix, c'est que le clip est pourri. Est-ce que sinon, quand votre voix est pourrie, il faut mettre un super clip. Christine, ben moi, c'est comme Pink Martini, hein. Gin Gin, j'adore. Oh. On conclut avec Queens of the Stone Age. Oui, alors ça, c'est le cinquième album pour ces reines du mauvais goût. Ça s'appelle Era Vulgaris, en latin, une époque vulgaire. Alors, on n'est pas volé, c'est comme le fromage, c'est écrit dessus. Era Vulgaris. Et c'est qui ça, Queens of the Stone Age? C'est des types, c'est des jeunes. Alors, ils sont jeunes? Ah oui, ils sont jeunes. J'adore. J'adore. C'est, si on aime, d'abord, si on veut faire chier ses voisins, si on veut dire à ses parents que ce sont des vieux cons, voilà. C'est absolument super. Extraordinaire. Et c'est vrai, c'est vachement bien fait, le clip est drôle, il joue bien, c'est vulgaire, c'est bruyant, c'est tout ce qu'il faut. En fait, c'est une espèce de croisement entre Black Sabbath, qui aurait consommé énormément de drogue. Et ils ont consommé énormément de drogue. Black Sabbath aujourd'hui, c'est-à-dire à 70 ans, hein, et un chihuahua qui... Et un chihuahua en érection devant une danoise en chaleur, ça vous donne à peu près ça, c'est formidable, si on est jeune. Pour en savoir plus, on regarde un extrait de Six Six Six, c'est un des titres de Queens of the Stone Age. Non, non, mais c'est ce que je disais sur Angélique Kidjo, quand la voix est pourrie, le clip est formidable. Et je trouve ça assez marrant, moi. Moi, je me suis exprimée avant de les entendre, j'adore. Alors, je me tourne vers les trois Jeanne. Vous comprendrez, chère Marthe-Hélène Rollin et chère Ariane Dubillard, qu'il est quand même normal que ce soit la fondatrice, créatrice, pionnière des Jeanne qui choisissent en premier, évidemment, son album. Alors, moi, je vais choisir en fonction de mes petits-enfants, parce que je suis une grand-mère heureuse et comblée, avec plein de petits-enfants. Donc, je vais prendre le truc de Jones. Voilà. Alors, lequel? Alors, peu importe, parce que je ne sais pas faire la différence. Celui-là, le rouge. Je ne sais pas faire la différence. Voilà, je prends bien celui-là. Regarde les mauvaises copines. Elles veulent les deux autres. Alors maintenant, je suis obligée d'aller dans l'ordre. Hein. Alors, il s'agit donc de Marthe-Hélène Rollin. Moi, je vais prendre celui-là. Oh ouais. Justice. Oui, t'as raison. Voilà. Ah, vous voulez Angélique Kidjo? Ben oui, c'est une musicienne. Je suis chanteuse. Moi. Les trois Jeanne, actuellement au Théâtre de la Gaîté Montparnasse. C'est écrit par Dominique Cosette et Eliane Boëry, ici présente, mise en scène par Tilly. Merci à toutes les trois. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous allons maintenant accueillir Delphine Minoui, la journaliste correspondante du Figaro à Téhéran et lauréate du prix Albert Londres qu'elle a reçu l'an dernier pour des articles sur l'Iran et sur l'Irak. Ce soir, Delphine Minoui vient nous présenter « Les pintades à Téhéran », un ouvrage qu'elle vient de publier aux éditions Jacob Duvernay, livre dans lequel elle nous fait partager, non sans humour, le quotidien, ça qui est curieux, des téhéranaises, des iraniennes, si vous préférez. Et contrairement à certaines idées reçues, ces femmes-là, d'après elle, en tout cas, ne sont pas toutes voilées de la tête aux pieds et cloîtrées chez elles, bien au contraire. Nous allons en savoir plus en accueillant tout de suite donc l'auteur des pintades à Téhéran, Delphine Minoui. Bonjour, bienvenue. Journaliste, correspondante donc pour le Figaro, vous avez travaillé aussi pour Radio France, toujours? Je continue à travailler pour eux régulièrement. À être correspondante là-bas sur place en Iran? En Iran et je vais également régulièrement en Irak. Alors là, vous nous racontez l'Iran de l'intérieur, hein, depuis Téhéran en tout cas. Les pintades, alors pourquoi pintades? Bah, c'est en référence au côté un peu rebelle, espiègle de cet oiseau et c'est un qualificatif qui colle bien, qui colle bien aux Iraniennes. J'apprends que la pintade est espiègle. Ça s'inscrit dans une collection qui a commencé avec New York, qui a ensuite eu Londres. Et les responsables de cette collection avaient fait appel à l'époque à un ethnozoologue qui leur avait appris que dans certaines contrées d'Afrique, eh bien, la pintade est le symbole de la femme émancipée. Isabelle Alonso, on l'aura compris, n'aime pas le mot pintade. Des deux femmes qu'on voit sur la couverture, laquelle on voit le plus à Téhéran? Celle avec le voile ou celle avec le jean et le petit foulard sur les cheveux blonds? Alors, je pourrais dire que... À partir de 79, à partir de l'arrivée des religieux au pouvoir, c'était plus la tendance, on va dire, noire. Mais au fil des années, le foulard est tombé de plus en plus et maintenant, c'est plus la tendance de la fille blonde. Et c'est la mode, d'ailleurs, d'être blonde décolorée à Téhéran. Réellement?
Oui, parce que c'est une forme d'affront comme ça aux interdits. C'est une façon de dire, ben voilà, on est obligé de porter le voile, mais eh bien, on va créer une mode autour du foulard pour montrer notre résistance par rapport aux idéaux en vigueur. Christine, bravo. Alors, évidemment, alors, je voudrais que mon amie Isabelle Alonso comprenne pourquoi j'ai adoré ce bouquin. Mais dis ce que t'as dit. Je m'en fous qu'elle appelle les filles des pintades. Je m'en fous. Moi, ce qui m'a plu, c'est cet esprit de nana qui gamberge, qui s'appelle, qui se font des plans. Écoutez, au monde, il y a de plus en plus rarement de véritables rebelles. À part, bon, évidemment, il y a encore des pays où toutes les libertés sont à gagner pour les femmes, il y en a beaucoup, mais tous ces... Mais justement, est-ce que l'Iran n'en fait pas partie? Eh bien, c'est bien sûr, ça fait partie d'un pays où les femmes ont beaucoup à revendiquer. Sortir un bâton de rouge à lèvres, c'est grave. Être en mini-jupe, c'est grave. Chanter, c'est grave. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a fait marrer dans ce bouquin, c'est comment ces filles organisent la rébellion. À l'extérieur, on va mettre les foulards, on va faire... mais à l'intérieur, on va s'acheter des strings et on va aguicher nos mecs avec les trucs les plus vulgoses même, parce que dans la religion, mais oui, c'est pas comme chez les judéo-chrétiens où baiser c'est pas bien. Apparemment, j'ai compris que chez les musulmans, on a le droit d'aguicher son mec à par tous les moyens possibles. C'est une relation officielle, en effet. Donc moi, ce qui m'a amusée, c'est l'esprit de nana qui ont le droit de rien et qui organise les petites rébellions de la vie quotidienne. Moi, j'ai adoré ça. Bravo, voilà. Alors, je donne la parole tout de suite à Isabelle Alonso. C'est normal, puisqu'elle a été prise à partie par Christine. Bravo, vous n'avez pas le même avis sur le livre. Ce livre me met très mal à l'aise, parce que bien entendu qu'on a envie de toutes les solidarités avec les femmes iraniennes. Bien entendu, elles sont courageuses et bien entendu, elles élaborent les mille petites stratégies pathétiques qu'on élabore quand on est dans un pays où tout est interdit. Et si vous voulez, en lisant ça, quand on dit légèrement le foulard, finalement, on s'habitue, on prend ça comme on prend son portable. Non. Non, parce que si je ne prends pas mon portable, il ne va pas y avoir quelqu'un dehors qui me colle une torgnole ou qui m'emmène au poste. Alors ça me rappelle, pardonnez-moi, ça me rappelle ces documentaires où on dit « qu'est-ce qu'on s'est marré à Paris pendant l'occupation ? Jamais il y a eu autant de pièces de théâtre, autant de restaurants et tout. » Et c'est vrai, pour un tout petit nombre. C'était vrai pour un tout petit nombre. Et en Iran d'aujourd'hui, il faut savoir que toute dictature a besoin d'un petit espace de transgression. Et c'est ce dont vous parlez pour un tout petit milieu. En attendant, les filles, elles n'ont même pas le droit de faire des études de botanique ou d'ethnologie, parce que pour ça, il faut aller faire des études sur site. C'est vrai que on a adopté un ton mordant pour avoir un accès plus grand public, pour raconter le quotidien de ces Iraniennes. Mais justement, mon idée, moi-même je vis en Iran depuis 8 ans, je vis au quotidien avec ces femmes, et mon idée c'était justement de casser ces clichés que véhiculent parfois certains autres journalistes quand ils sont téléportés à Téhéran pendant 3 semaines, et qui reviennent et qui disent « Ah ben on s'est éclaté à Téhéran, on peut aller skier à 1h30, on est à 1h30 des pistes quand on est dans la capitale, et finalement, c'est pas si mal que ça, la vie au quotidien. » Dans ce livre, dans certaines chroniques, j'évoque justement ce combat plus en profondeur des Iraniennes que j'appelle les Iraniennes d'en bas. Elles essayent, à leur façon bien sûr, tout est relatif, l'Iran est loin d'être une démocratie, elles essayent de s'affirmer et c'est par ça que ça passera le changement en Iran, parce que c'est pas avec des théocrates au pouvoir qu'on ira vers une démocratie. On voit à l'heure actuelle le président Ahmadinejad qui fait des discours fracassants en permanence sur la scène étrangère, qui appelle à rayer Israël de la carte, qui appelle au retour de l'imam Mehdi sur la terre. Ce que j'ai voulu dire, c'était de montrer que tous les Iraniens sont loin d'être à l'image de leur président, les Iraniennes encore moins, que malgré tous ces interdits, il y a quand même 60% des étudiants qui sont aujourd'hui des étudiantes. Et ce chiffre est très révélateur. Jean-Bernard. Alors, d'abord, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez pris un énorme risque professionnellement en faisant ce livre, en venant ici? Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez retourner là-bas? C'est un choix de travail. C'est vrai que ça fait déjà 8 ans que je prends des risques, donc un risque de plus ou de moins. J'ai l'intention de retourner en Iran. C'est pas tous les jours facile. Je sais que mon téléphone est sur écoute. Je sais que il m'est déjà arrivé d'être arrêtée dans la rue, d'être intimidée, d'être convoquée parce que un article dans la presse que j'avais publié avait déplu. C'est le parti pris que j'ai. Par exemple, il est en vente ce livre. Il est traduit là-bas en Iran. À ma connaissance, non. Mais alors, l'Iran, c'est le pays des no.
copyright, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, si ça se trouve, quelqu'un est en train de le traduire et de le publier, mais je serai la dernière au courant. Vous donnez l'anecdote d'un L qu'une jeune fille essaye de faire passer en avion pour le filer à sa copine qui habite en Iran, et vous dites que le L a été pris par... Ah non, c'est mieux que ça. Alors, pardonne-moi de t'interrompre, justement, je donne raison, puisque ce matin, on s'est parlé, j'ai envoyé un coursier, elle m'a ramené un L qu'elle avait fait passer à l'aéroport. Alors le voici. Et ce que vous voyez, c'est pas elle qui s'ennuyait dans l'avion, c'est les gens de la censure, les Iraniens, qui lui ont attrapé, vous m'arrêtez si je me trompe, et qui l'ont entièrement caviardé pour qu'on ne voit pas les choses. Alors regardez comment c'est fait. Il y a certaines pages ici, les jambes sont masquées. Ou alors ici, il y avait une fille un petit peu dénudée, donc ils ont arraché la page. Et ensuite, le truc qui m'hallucine, c'est qu'ensuite, ils vous le rendent. Voilà, c'est qu'on imaginerait une dictature normale, entre guillemets, si tant est qu'une dictature puisse être normale, on le mettrait à la poubelle. Mais après, la vie continue et vous repartez avec votre L découpé. Alors, en l'occurrence, si celui-ci, en fait, fait partie de mon L. Enfin, je suis abonnée à L et à d'autres magazines français à Téhéran. Et avant de recevoir vos magazines dans la boîte aux lettres, eh bien, ces magazines passent au comité de censure. Voilà. En revanche, heureusement, ça leur prendrait trop de temps de traduire les articles. Donc, j'ai au moins la possibilité de continuer à lire et de regarder sur Internet indirectement. L'Internet, d'ailleurs, est un bon moyen en Iran de détourner la censure. Elsa. Oui, moi, je vous trouve extrêmement méritante. Courageuse de nous raconter de votre libre arbitre, de nous raconter comment ça se passe à Téhéran. Seulement, je ne suis pas tellement d'accord avec votre notion de rébellion. C'est-à-dire que toutes les femmes aujourd'hui vont faire attention à se couvrir lorsqu'elles vont sortir dans la rue. Elles vont faire attention à ne pas se faire pincer. Mais c'est un vrai jeu de cache-cache. C'est-à-dire que ce n'est pas une vraie rébellion. Il n'y a pas le courage d'essayer de bousculer, d'essayer de faire avancer. Non, pour moi, ça me fait l'image, c'est un cocotte. Les pauvres, leurs mères ont vécu la révolution islamique en 79, le sang, les coups de fouet, etc. C'est très douloureux, c'est quelque chose qui est encore ancré dans les mentalités. La nouvelle génération est une génération pacifique. Et leur combat, c'est ce qu'elles appellent ce combat millimètre par millimètre. Voilà. En effet, on ne peut pas descendre dans la rue. Est-ce que vous avez vu ces vidéos qui ont circulé récemment sur YouTube, où une femme, pour avoir osé défier un milicien dans la rue en lui disant, attendez, vous voulez que mon foulard arrive là, je le mets déjà là, c'est déjà quand même suffisamment... respectueux des règles en vigueur, eh bien, elle s'est pris des coups et on voit ce visage ensanglanté circuler sur YouTube qui vous montre ces risques pris au quotidien. Et elles ont pourtant l'audace parce que c'est vrai que ce combat, il n'est pas visible, mais si vous regardez sur Internet, si vous allez dans des assemblées clandestines au quotidien à Téhéran, et pas seulement dans le Nord, aussi dans le Sud, elles se battent pour des questions de divorce, pour des questions de tous les jours, la garde des enfants, la lapidation. C'est encore en vigueur. L'adultère est passible de la peine de mort en Iran. Et elle continue. Pour la femme, uniquement. Oui. Pour la femme. Gueluc. On a beaucoup utilisé le terme de rébellion. Moi, j'utiliserais plutôt celui de résistance. Et je trouve votre livre formidable. Parce qu'il il semble léger par certains aspects. Parce que vous racontez effectivement ces femmes qui essayent de faire passer un bâton de rouge à lèvres et des choses qui ont l'air futiles. Mais lorsque tout le monde fait ça, il y a un mouvement qui, lorsqu'il sera amplifié par tous, va être une déferlante et va balayer la révolution douce et silencieuse. Et c'est vrai que je cite un sociologue iranien dans ce livre qui me dit que s'il y a une prochaine révolution en Iran, en effet, ça passera par les femmes. Alors, non seulement il est formidable, il est formidablement écrit, il est drôle, il est tendre, mais il est bourré d'informations sur des choses que l'on ne sait pas. Lorsque vous racontez que des femmes se déguisent parfois en hommes pour aller assister à un match de foot. Qui sont interdites de stade depuis l'arrivée des religieux au pouvoir. Lorsque vous racontez que les autorités essayent d'empêcher la vente du Pepsi parce qu'ils veulent faire croire aux gens que Pepsi, ça veut dire « pay each penny to save Israel », que c'est un message subliminal. Il y a des spots publicitaires qui passent sur la télé en demandant aux gens de ne pas boire de Pepsi, mais la boisson vraiment en vente libre partout dans les épiceries, c'est soit le Coca-Cola, soit le Pepsi. J'avais une toute petite question, moi, ce qui m'a halluciné, imaginons si l'Église faisait ça, il y a des sites internet tenus par des mollahs, donc des religieux, et on pose des questions sexuelles, et les mecs peuvent poser des questions, ils demandent aux mollahs qui répondent « puis-je contracter un mariage temporaire ?» ça veut dire « puis-je coucher avec ma masseuse ?» Puis-je me teindre les poils du pubis? Puis-je sodomiser ma femme pendant ces règles? Et les mollahs, ils répondent, ils disent oui, non, oui, non. Ça, c'est le bureau de l'ayatollah Sistani, qui est maintenant en Irak. Son bureau se trouve à Qom. Et l'ayatollah va répondre à ce genre de questions, parce que c'est des questions d'ordre religieux. Et c'est vrai que, l'air de rien, la société iranienne reste religieuse. Il y a un changement pour plus de démocratie, mais c'est une démocratie à l'iranienne. Les Iraniens, ils ne veulent pas de la démocratie à George Bush, je peux vous le dire. Il y a une autre actualité.
actualité qui concerne l'Iran, qui concerne pas seulement l'Iran, mais de nombreux pays musulmans, le Pakistan aussi, c'est le fait que Salman Rushdie a été anobli par la reine Elisabeth II d'Angleterre, avec l'accord manifeste de Tony Blair. On dit que c'est une vacherie de Tony Blair juste avant de partir. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce que vous, vous en pensez en Iran? Pour tout vous dire, c'est très loin des préoccupations du quotidien des Iraniens et des Iraniennes. Tout comme appeler Israël à rayer de la carte. Les Iraniens, ils ne sont pas plus anti-israéliens que anti-arabes ou anti-autre chose. Donc, ça relève de la propagande. Aujourd'hui, quels sont les désirs des Iraniens? C'est de vivre une vie comme les autres, surtout les jeunes, comme ailleurs dans le monde, de trouver un job à la sortie, et puis de se marier, de trouver une petite copine, etc. Les pintades, oui, les pintades. On a tout essayé. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est aux éditions Jacob Duvernay, des chroniques de la vie des Iraniennes. Merci beaucoup. Delphine Minoui, merci beaucoup. Avant de recevoir notre dernière invitée, il s'agira d'Arnaud Klarsfeld. Passons tout de suite à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et nous commençons avec ce dessin qui nous parle de la visite éclair de Nicolas Sarkozy en Pologne, où il a rencontré les frères jumeaux Kaczynski. Le dessin est signé Honoré dans Charlie Hebdo, et on voit Sarko qui dit « On va encore dire que j'étais bourré ». Nous passons à Alain Juppé, revenu du Canada l'année dernière pour faire son grand retour en politique, mais qui a malheureusement perdu aux législatives dimanche dernier. Dans Charlie Hebdo, Rhys nous illustre l'élan brisé. Très bien. Alors, si jamais le maire de Bordeaux nous regarde ce soir, je lui propose de couper le poste juste une seconde, parce que je dois dire que les dessinateurs ne l'ont pas épargné cette semaine. Regardez Charbe dans Charlie Hebdo, Juppé battu, les caribous sont heureux, on va revoir le rigolo, disent les caribous québécois. Rhys dans Charlie Hebdo, maintenant la France réduit ses émissions de CON. Très dur. Le dessinateur Luce dans Charlie Hebdo, Juppé, le Jospin de l'UMP en moins fun. Ils sont terribles, hein. Ah, c'est vraiment bien. Dans Le Canard enchaîné, Pétillon nous montre la première réaction d'Alain Juppé au soir de sa défaite, quand on lui a dit qu'il devrait démissionner, donc du ministère de l'écologie. Là, il regarde son vélo et il dit « J'ai bien envie de bazarder ce vélo et d'acheter un énorme 4x4 ». Dans Le Canard enchaîné, Pétillon se demande en tout cas si Alain Juppé est une des victimes de la TVA sociale. Et on voit la réaction indignée de Jacques Chirac qui dit « C'est quand même désolant de voir Alain payer pour les erreurs des autres. » Oh, elle est géniale. On passe à Jean-Louis Borloo, le responsable de la bourde, donc fameuse bourde sur la TVA sociale de l'entre-deux-tours. Bourde qui a fait perdre quelques députés UMP, y compris Arnaud Klarsfeld, qu'on recevra dans un instant. Et il s'explique, monsieur Borloo, sur son faux pas sous la plume de Jerry Mann. C'est dans Le Canard enchaîné. On voit le ministre qui dit « J'ai simplement dit tout haut ce qu'on allait faire tout bas. » C'est ça. Le nouveau numéro 2 du gouvernement a également inspiré ce dessin à Cabu, dans Le Canard enchaîné. On voit Borloo, numéro 2, il dit « Encore une connerie et je suis Premier ministre !» On passe à ce dessin signé Luce dans Charlie Hebdo, qui lui traite à sa façon la séparation dont tout le monde parle à gauche. L'ouverture continue. C'est Ségolène Royal. Excellent. Ségolène Royal qu'on voit en train de montrer le secrétaire d'État au sport à François Hollande, c'est-à-dire Laporte. Il va avoir un autre monde. Pour le dessinateur Jules, dans Charlie Hebdo, la séparation entre Hollande et Royal n'a pas que des mauvais côtés. Ségolène va enfin pouvoir téléphoner à Bayrou. Plus la peine, dit-elle, on se parle sur Mythique. Et on voit qu'elle lui a dit à Bayrou, je te kiffe grave. Et il a répondu, t'es trop bonne. On passe à Jacques Chirac, l'ex-président, qui la semaine dernière, vous le savez, samedi soir, précisément à minuit, a perdu son immunité présidentielle. Honoré nous le montre dans ce dessin sur Charlie Hebdo, où on voit le président redevenu un citoyen ordinaire, avec son chien, la laisse, la baguette, le béret, le short. Et il nous dit, le président, la justice pourrait m'entendre très vite, c'est bien, je commençais à m'emmerder grave. Sur le même sujet, Schwartz, dans Charlie Hebdo, nous montre le président devant le juge. Hein, ça y est, on est allé plus vite. Et Chirac est-il rattrapé par son passé? On voit le président qui fait « Ah bon? J'ai été président de la République !»
Un dessin de Kamagurka maintenant dans Charlie Hebdo. On voit quelqu'un qui est dans l'eau. Il dit « Au secours, je ne sais pas nager !» Et le pêcheur lui répond « Mais vous n'êtes pas obligé. » Et on termine avec notre Philippe Gueluc, j'allais dire national. Eh non, belge. C'est dans VSD, ses meilleurs dessins. On voit le chat qui dit « Je me fais régulièrement un masque de beauté au concombre. Ensuite, je le mange. Des fois que ça marcherait aussi pour la beauté intérieure. » Le dernier dessin est spécial dédicace, Philippe Gueluc, pour Christine Bravo. Oh, oui. Une corrida un peu olé olé. Quelques jours après le deuxième tour des élections législatives, l'heure est au bilan. La vague bleue annoncée a eu lieu, mais moins que prévu. Le Parti socialiste qu'on disait couler est finalement parvenu à sortir un peu la tête de l'eau. Et l'invité qui va venir nous voir ce soir a besoin qu'on lui remonte un peu le moral parce qu'il a été victime, on va dire, du ressac, comme on l'a dit, de la vague bleue. Lui, il était candidat UMP dans la 8e circonscription de Paris. Il s'est fait battre par son adversaire socialiste, Sandrine Mastier. C'était ses tout premiers pas en politique. On a beaucoup parlé de sa candidature parce qu'il est l'un des avocats français les plus médiatiques. En plus, c'est un des proches du président Nicolas Sarkozy, mais c'est aussi un copain, alors il a besoin de temps en temps qu'on lui remonte le moral. Voici Arnaud Klarsfeld. Bon, est-ce que vous n'êtes pas trop déçu, première question? Wow, déçu, vous savez, il y a des choses qui arrivent qui sont pires, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, des gens qui sont malades, des parents qui vont mal, donc voilà. Bon, ce sont des avatars de la vie, c'est normal, il faut le prendre avec humour, avec dignité. Donc, oui, ça a été très dur. Non, c'était une campagne qui était une campagne agréable, j'étais envoyé là-bas en mission par le Premier ministre, pour essayer de conserver une circonscription qui avait voté à gauche. C'est une campagne que j'ai menée avec énergie, avec dévotion. J'ai parcouru un arrondissement que je ne connaissais pas de long en large et en travers. Voilà, au moins maintenant, vous le connaissez. Et au moins maintenant, je le connais très bien. Ça doit être un des arrondissements que je connais le mieux. Je suis désolé d'avoir perdu. Mais sinon, moi, j'ai un bon moral en général et je ne suis pas déstabilisé. Je reviens sur vos comparaisons de départ. C'est quand même moins grave et vous avez raison d'avoir perdu les législatives que d'avoir perdu un proche, que d'avoir des problèmes de santé, que des tas d'autres choses. Vous aviez donné une autre comparaison, Philippe. Oui, et qu'il y avait de quoi quand même déstabiliser les électeurs. Vous allez me dire, l'élection était passée. Écoutez Arnaud, le soir de sa défaite. Alors, vous savez, il y a des choses pires qui arrivent dans la vie. Hein. Les parents qui peuvent être malades, un chat qui peut être malade, tombé par la fenêtre. Donc... Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend de parler de ça? Et alors, j'ai Pourquoi retrouvé... un chat qui tombe par attends, la fenêtre? Attends, j'ai retrouvé des images. Parce que j'ai un chat qui est tombé par la fenêtre il y a trois mois. Moi aussi, c'est affreux. Un chat qui était, c'était affreux. Autant j'ai eu une boule au ventre là pour l'élection, autant ma peine a été extrêmement grande parce qu'un animal, c'est comme un membre de la famille. Et donc, j'ai essayé de voir dans le passé qu'est-ce qui m'est arrivé d'affreux et j'ai vu ce qui m'est arrivé d'affreux il y a trois mois. C'est un accident. Non, mais il y a des poissons. Ça se voit que vous n'avez pas d'animaux. Parce que mon chien passerait par la fenêtre. J'ai un poisson qui se tuait. J'ai un poisson qui sortait du bocal et qui cherchait à se tuer. C'est vrai. On voit que ta chatte n'est jamais tombée par la fenêtre. Qu'est-ce que vous avez appris? Avant que je donne la parole à mes petits camarades, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce qu'on apprend? Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans la vie, qu'on sait au préalable et qu'on apprend dans la peau. On apprend tous à l'école, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On apprend tous que la démocratie, c'est une voix plus une voix. Eh bien là, on apprend vraiment concrètement qu'il faut essayer de convaincre chaque personne et que c'est ça la démocratie. Peut-être il y a des fois où ce n'est pas l'idéal, mais en tous les cas, c'est une idée qui est précieuse, qui a été inventée il y a 2500 ans en Grèce, à Athènes, et qui tient et qui est très... Pardon, je reprends la question de Laurent. Ouais. Vous avez noyé le poisson en nous faisant un cours sur la Grèce, mais qu'est-ce que vous avez appris vraiment du fait d'être candidat? Ce que vous saviez sur la démocratie, vous auriez pu nous le dire il y a 6 mois. Non, parce que là, on apprend vraiment qu'il faut aller... écoutez, madame, bonjour. C'est chouette, la démocratie. C'est chouette, la démocratie. Oui, mais... Moi, j'aurais voté pour vous.
Il sent bon, il embrasse bien. Et visiblement, c'est né en Grèce. Isabelle Alonso, Isabelle. Quand vous voyez ce qui arrive maintenant à Alain Juppé, franchement, je trouve ça hyper dur sur le plan humain. Est-ce que ça ne vous décourage pas? Est-ce que vous ne vous dites pas, je l'ai échappé belle, la prochaine fois, je fais autre chose? Je vais à la pêche. Non, j'aurais préféré être élu. Hein. Je ne vais pas nous noyer le poisson et répondre, ouf, mon Dieu, j'ai eu de la chance de ne pas être élu parce que sinon, j'aurais dû me mettre au travail. Non, j'aurais préféré être élu. Vous imitez qui, là? Je ne sais pas, n'importe qui, mais. En tout cas, je trouve qu'on vous a fait un mauvais procès avec ces histoires de parachutage parce que qu'on soit parachuté dans un. Je sais pas, dans une province éloignée et tout, mais dans Paris, d'un arrondissement à l'autre, c'est pas pousser l'esprit de clocher un peu loin, cette histoire si, de parachutage. C'était gros, franchement, à la limite, non, parce que l'arrondissement, je le connaissais pas, donc c'est pas, pas mentir, c'est-à-dire j'étais pas impliqué dans la vie quotidienne du 12e arrondissement. En ça, j'étais parachuté. Là où était le mauvais procès, disons, où la presse, c'est, disons, mettre en avant toujours le roller, le vélo, mais... alors que bon, il y a tellement de pollution à Paris, et que les socialistes me reprochent de faire du roller, c'est quand même assez cocasse dans un sens. Philippe Gueluc. D'abord, comment va Voyou? Voyou, c'est comme... c'est parce qu'on se connaissait sur Europe 1. Voyou, c'est quand même c'est le chien de mes parents. Oui, dont vous avez beaucoup parlé à la radio. Et c'est comme une dynastie de rois. Maintenant, il y a Voyou 2. Il y a Voyou 2, qui est un peu de l'eau... Qui a été élu dans quelle circonscription? Élu dans la circonscription de mes parents, où les chiens sont rois. Il est un peu malade, il est un peu cardiaque, il est bien choyé. Vous le caresserez de notre part. Voilà. Isabelle parlait d'un mauvais procès qu'on vous faisait. Et moi, je voulais revenir quelques instants à un autre qu'on vous avait fait pas longtemps avant. C'était celui qu'on vous avait fait lorsque vous étiez, le candidat Sarkozy, médiateur sur concernant les expulsions. Mmh. Et je trouve que vous êtes tellement pris une volée de bois vert, et même sur le plateau de Laurent, je crois, par des gens, samedi soir, dans On n'est pas couché. Et je trouve ça tellement injuste, parce que, d'abord, je trouvais que vous vous défendiez bien, et je trouvais que cette mission était digne, c'est-à-dire que vous n'étiez pas, vous étiez pas engagé comme gros bras pour aller arracher des gens dans le logis et pour les mettre dans des avions. Et vous essayez de rendre... Ce que m'ont reproché aussi les socialistes, alors que la mission s'est bien déroulée, alors que j'étais intervenu auprès de Nicolas Sarkozy, que j'ai permis la régularisation de 7000 parents d'enfants scolarisés, c'est-à-dire ceux qui avaient toutes leurs attaches avec la France devaient être régularisés, parce qu'il aurait été totalement injuste d'envoyer dans un pays où il n'a jamais été un enfant qui a toutes ses attaches en France, mais en même temps on ne pouvait pas décider qu'il suffisait de rentrer en France, de scolariser son enfant et aussitôt d'être régularisé. L'opinion publique l'a bien compris. Certains, je ne vais pas être sectaire, mais oui, surtout à gauche, n'ont pas voulu le comprendre, ont feint de ne pas vouloir le comprendre et ont eu un langage de générosité qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes et qu'ils n'appliqueraient pas s'ils étaient d'ailleurs au gouvernement demandant des régularisations massives, alors que bon, les régularisations massives sont un appel d'air. Donc c'était une position. C'est un peu la loi de la campagne. Je vous interromps parce que justement, ça, est-ce que ce n'est pas une chose dont on s'aperçoit quand on est obligé de faire campagne? C'est-à-dire parfois, même de porter des arguments, on n'est pas. Allez, vous allez me dire non, mais soyez honnête. Est-ce que parfois on n'utilise pas des arguments dont on se dit est-ce que je le pense vraiment, ça? Si, on est démagogique, forcément. Enfin, j'ai pas dit. Ça, c'est honnête. J'ai pas dit une fois du mal de mes concurrents, mais oui, on est démagogique. Vous voulez de la sécurité, même que madame, franchement, vous pouvez être certain, je connais très bien madame Marie, vous aurez les agents que vous voulez. Bon, attends, c'est évident que les gens. Peut-être vous êtes trop honnête pour avoir été élu. Non, c'est évident que dans une campagne électorale, il y a un peu de démagogie. Christine. Alors, je t'ai vu sur les marchés. Habillé comme un milord. Alors, non, franchement. Alors, est-ce que tu vas souvent sur les marchés habillé comme ça? Habillé comme ça? Non, mais on m'a demandé de m'habiller. Enfin, on m'a dit, il vaut mieux s'habiller comme ça. Et il fallait quand même mettre une cravate. Parce que la gauche pouvait pas l'avoir, l'extrême gauche allait voter contre moi, l'extrême droite allait voter contre moi. Alors, si en plus la droite allait voter contre moi, bon, il me restait plus. C'est vrai! Est-ce qu'au moins, tu as appris le prix des légumes? Oui, ça dépend de quels légumes. Alors, on y va. Le prix du kilo de tomates grappes. Ça dépend. De tomates grappes, c'est 2,50. Bravo! Pas dans ton quartier. Oui, mais attends, là, on est dans le 12e. Ouais, ça va. Un kilo de cerises. Un kilo de cerises, c'est 5 euros jusqu'à 8, à peu près. 5 euros. Elle a mis 4,99. On peut dire que c'est une bonne réponse. Une salade. Une salade, c'est à peu près de 80 à 1,20. À 25. Un avocat, c'est combien?
C'est normal. Ah oui, mais fallait vite ici. Faut être rapide ici. Ah mais je suis pas le patron, je sais. Il y avait une progression. Le pire, c'est qu'elle avait passé sa soirée pour écrire ça. Moi, ça m'est venu en 2 secondes. Et une bouteille de viande, c'est combien, Christine? Une autre question, vous êtes avocat, oui. Et par définition, un avocat doit pouvoir défendre un présumé coupable ou une victime. Mmh. Est-ce que dans le cas de la politique, vous seriez prêt, vous auriez été prêt à vous engager auprès d'un candidat, enfin d'un président, d'un futur président de gauche comme vous l'avez fait à droite? Non, est-ce jamais, que quelqu'un avec un, pourrais, avec un jamais, projet qui aurait pu... Parce dire, que vous vous rejoignez sur des idées, vous n'êtes pas loin gens, de Kouchner. Il y a des gens très compétents à gauche, des gens qui sont extrêmement intelligents à gauche, qui ont beaucoup de talent à gauche, mais qui portent le poids de l'extrême-gauche. Et l'extrême-gauche est extrêmement néfaste pour la vie politique, est extrêmement néfaste pour la vie démocratique, et sectaire, et jamais je m'engagerai à gauche. La droite n'a jamais transigé avec l'extrême-droite, et c'est pour ça que je me suis engagé à droite. Ça dépend des régions. Oui, mais enfin, au niveau des dirigeants, ils ne sont jamais engagés. On doit être reconnaissant à Jacques Chirac, on doit être reconnaissant de s'être jamais engagé, alors que beaucoup le conseillaient de s'engager, donc je suis vraiment très reconnaissant en cela à Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy, en disant des choses raisonnables, a fait diminuer le Front National de plus de 50%, et il faut lui être vraiment extrêmement raisonnable. Et extrême gauche ou extrême droite, quand ils prennent le pouvoir, ça finit toujours dans des bains de sang. Voilà. En France, ils ne sont pas comparables, excusez-moi, quand même. Hein. Oui. Bah, ils ne sont pas au pouvoir. Hein. Non, mais ils sont, n'empêche qu'ils ne sont quand même pas comparables. Dans l'extrême gauche, vous incluez le Parti communiste, en fait, évidemment. Oui, même le Parti communiste français. Ah oui. Elsa Fayer. Oui, vous avez déclaré à l'annonce de votre défaite, vous avez dit, on risque encore de me voir dans cet arrondissement. Oui, bah, il y a un marathon l'année prochaine. Écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Bah, la vie est pleine d'opportunités, le monde est vaste, Paris est vaste, et puis il y a plein de choses à faire. Pour les municipales? On verra. On verra. Parce que là, il y a un vrai combat. Est-ce que vous pensez que Mme de Panafio est la plus légitime pour affronter, parce qu'on sent que ça va être difficile, pour affronter Bertrand Delanoë? C'est une femme pleine de talent et pleine d'énergie et qui fera beaucoup de choses, et de bonnes choses pour Paris. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, puisqu'on vous a appelé. Vous n'êtes pas élu, mais appelé, c'est déjà pas mal. On vous remercie, Arnaud Clarcel. Merci. Et nous, on se retrouve évidemment demain soir, à peu près, à la même heure. Bye bye.